père, à son humble niveau, m'a fait découvrir le football. Et c'est comme ça qu'est venue la passion de ce sport. Et maintenant, aujourd'hui, je peux plus m'en passer, clairement. Ça a été très dur de quitter voilà, le cocon familial et aussi les copains, les amis d'enfance avec lesquels j'ai commencé le football dans mon petit club de village à Frauges. C'est vrai qu'au début, ça a été un peu difficile parce que on découvre le monde du football, le fait d'intégrer une équipe avec une compétition particulière, avec beaucoup de concurrence et les meilleurs joueurs de la région qui évoluent à tes côtés. Il faut se faire sa place et continuer à avoir envie de gravir les échelons progressivement. Il va être un bon joueur parce qu'il est très intelligent, il voit juste. Petit à petit, là, je le sens de mieux en mieux et c'est vrai que ça fait plaisir. Et après, il y a des petits trucs, hein, mais bon, après, c'est avec le travail. Évidemment que le talent en lui-même n'est pas grand-chose si on n'y met pas le travail et l'envie de constamment progresser. Avec cette alchimie entre le travail et la confiance qu'on peut engranger au fur et à mesure de sa carrière, on peut réaliser de grandes choses.